Salam alaikum à tous les musulmans. Et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon. Bah. 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 Bon. Pour tous les gens qui me disent, ouais, Guada Zero, t'as un masque, et alors? Et alors? Et alors? C'est pas parce que j'ai dit que voilà, que ceux qui mettaient des masques, c'était des tapettes, parce que voilà, pour moi, comme je vous ai toujours dit, c'est nous, on croit en Dieu. Donc, comme on croit en Dieu, normalement, on doit pas mettre de masque. Mais comme actuellement, je suis pas chez moi, je suis chez des gens, et ben, je suis obligé de mettre le masque pour eux, pour leur faire plaisir. Mais en réalité, le coronavirus et toutes ces choses-là ne me fait pas peur. La preuve en est, le masque, je le mets même pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je le mets comme ça. Donc voilà. Bah. Donc déjà, pour commencer, bon confinement à vous. Bon confinement à tout le monde. Comme vous savez, Guada Zero, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui peut pas être enfermé. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Je peux pas être enfermé. Donc, je marche et tout ça. Je prends l'air. Voilà, j'essaie de trouver des solutions pour m'aérer l'esprit, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et en tant qu'homme qui fait des vidéos, homme qui essaie de passer des messages positifs, je viens de penser à, voilà, au message de Rof qui fait passer, au message de Booba qui font passer. Bon, je sais que j'ai aucune force, on va dire, aucune puissance pour réconcilier qui que ce soit. Mais je vais quand même parler et dire ce que je pense. Donc voilà. Donc comme vous avez pu le voir, depuis le confinement, depuis le coronavirus, je vous avais fait une vidéo bien avant que Booba fasse son interview. Et je vous avais dit que Booba s'inquiétait pour ses enfants. Et le lendemain et deux jours après, l'interview est passée où il avait dit que voilà, il avait peur pour sa mère, il avait peur pour ses enfants, il avait peur pour sa famille. Donc la vidéo que j'avais faite, quand je parlais de Booba et tout ça et tout, je ne me suis pas trompé. Il n'a jamais dit « moi, j'ai peur pour moi ». Il a dit « j'ai peur pour ma mère, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour… » Voilà, on doit être dans une unité, dans une solidarité, parce que tout simplement, les riches vivent la même chose que les pauvres vivent la même chose que les riches. Et là, on est dans une guerre, voilà, on est dans un poison satanique. Bon, certains vont dire que c'est le coronavirus. Moi, pour moi, c'est, voilà, c'est satanique, c'est, voilà, c'est Dieu, là, tout vient de Dieu, mais je pense que c'est Dieu qui a accepté que le shétan puisse, ramener cette merde, parce que les maladies sont sataniques, les maladies viennent du diable. Au jour d'aujourd'hui, on va dire, allez, ça fait plus de 60 ans, chaque personne qui est malade de quelque chose, on le diagnostique. Par exemple, s'il est malade psychologiquement, on va lui dire qu'il a de la dépression, on va lui dire qu'il a de la schizophrénie, de la bipolarité, dédoublement de personnalité. On a certains qui ont le diabète, on a certains qui ont le cancer, le sida, l'hépatite et tout ça, toutes les maladies, voilà. Donc voilà. Mais pour nous les croyants, on sait qu'au début, au commencement, Dieu disait que voilà, qu'il nous avait tous fait à son image, et que lorsqu'une personne était atteinte d'une maladie, il était animé par un esprit qui était malade. Mais l'homme et l'enfant, quand il est né, il est pur. Après, voilà, il devient... Il se dépurifie par rapport à ses actions, par rapport à comment il se comporte avec Dieu, s'il aime Dieu, s'il n'aime pas Dieu. Dieu va voir tout de suite à travers les cœurs, il va regarder si tu es quelqu'un qui est avec lui, si tu es quelqu'un qui fait exprès d'être avec lui. Parce que pour moi, quelqu'un qui est avec Dieu, il n'a pas besoin de montrer aux autres s'il est musulman, chrétien, peu importe. Il fait ce qu'il a à faire avec Dieu. Mais il n'a pas besoin de le montrer aux gens. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc tout ce qui est ostentation, voilà, vouloir montrer aux autres qui tu es, quelle religion tu es, qui tu suis, si tu suis le prophète Mohammed, ou si tu suis Aïssa, Jésus, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà, donc pour moi tout ça c'est du cinéma. Pour moi, la spiritualité, la croyance, elle est dans le cœur. Et tu n'as pas besoin de le montrer aux autres, parce que les autres, ils pourront seulement juste dire sur toi, c'est voilà, c'est que tu es un bon croyant et quoi que ce soit, mais ils ne pourront pas te sortir de la merde le jour où Dieu va t'envoyer des épreuves. Donc cette vidéo-là, en fait, je la fais juste pour vous dire
Voilà, on a vu les vidéos de Booba, il a envoyé des messages positifs. Et voilà, on sait tous que Rof, voilà, c'est quelqu'un de bien aussi. Donc, puisque je vois des appels Instagram de gauche à droite, je vois que Booba appelle un tel, je vois que Rof appelle un tel, je vois que Tonton Marcel appelle un tel, je vois que toutes les personnes appellent un tel. Donc voilà, puisqu'on est au moment où on vit tous, certains la peur, pour d'autres, voilà, ils savent que c'est les épreuves et les expériences de Dieu. Eh ben, j'invite Booba à appeler Rof, pouvoir s'expliquer et dire que voilà, maintenant, on est dans la même merde, on est dans le même bateau. Tu peux être touché comme je peux être touché, comme ma famille peut être touchée, comme ta famille peut être touchée, comme des proches à moi peuvent être touchés, comme des proches à toi peuvent être touchés. Appelez-vous et faites montrer que vous êtes des légendes du rap français. Faites montrer que vous êtes des boss et faites la paix. Donc voilà, moi j'invite Booba ou Rof à prendre son téléphone et à se téléphoner et à mettre les histoires de 2001 de côté. Parce qu'on sait tous que voilà, apparemment il y a eu un manque de respect. Peu importe qui a manqué de respect ou pas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'actuellement, on va tous die, que ce soit du coronavirus ou pas. Mais Dieu, il a envoyé ça dans le monde pour que les gens, ils ouvrent leur cœur, pour que les gens, ils se rapprochent de lui, et pour que les gens, ils agissent en fonction de lui. Donc, le mec entre Booba ou Rof qui va appeler l'autre, celui qui va garder sa fierté, c'est son problème. Mais si Booba, il prend son téléphone ou Rof, il prend son téléphone, parce que pour moi, c'est les deux légendes du rap français, avec Kery James. Kery James en premier, mais Kery James, Rof et Booba, c'est des grosses légendes, c'est des grosses stars de malades du rap. Où est-ce que je veux dire? Ils ont fait vibrer la jeunesse de beaucoup d'entre nous. Donc, si Booba ou Rof, il appelle Booba, ou Booba, il appelle Rof, c'est même pas une question, ils ont vu ma vidéo ou pas, je m'en bats les couilles. Mais si celui qui va faire ça, c'est celui qui aura appelé qui sera récompensé par Dieu. C'est celui qui aura téléphoné, qui aura baissé sa fierté, qui sera récompensé par Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà, donc Booba, Rof, faites la paix, appelez-vous, montrez le bon exemple et donnez des conseils à la jeunesse parce que vous êtes les maîtres du Rof, c'est le maître du 9-4, de Vitry, tout ça. Et Booba, c'est le boss de Boulogne-Billancourt parce que c'est la plus grosse tête de Boulogne-Billancourt. Donc voilà. Donc prouvez à tout le monde que vous pouvez vous appeler. On a vu que voilà, qu'à l'époque, Rof était un peu en clash avec Gims. Là, il a parlé avec Dadju. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc, s'il peut parler avec Dadju, c'est qu'il a plus d'animosité avec Gims. Donc, s'il a plus animosité avec Gims, il peut appeler Booba ou Booba peut l'appeler. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? C'est ça la vraie. C'est ça. C'est ça un homme. C'est voilà. Quand vous êtes jeune, vous faites la guerre, vous vous battez, vous insultez. Mais quand vous êtes des adultes, il n'y a plus de guerre. On a tous fait des bagarres quand on était petit. On s'est tous tapé avec un tel ou un tel. On a fait notre temps. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai 32 balais actuellement. J'ai plus la même vision qu'avant. Avant, un mec qui me cherchait la merde, je voulais me battre. Ou un mec qui parlait mal sur moi, je voulais me battre. Au jour d'aujourd'hui, c'est différent. Donc vous êtes encore plus vieux. Donc montrez le bon exemple, appelez-vous, faites la paix. Et croyez-moi que vous serez récompensé par Dieu. Bah!